Si j'étais couturière, que de filles pourrais-je réunir? Et comme je les aiderais, je les garderais loin des dangers et je les conduirais à toi, Marie. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je vois? En 1860, en allant vers la colline de Borgo Alto, Maïn vit en vision un grand bâtiment plein de jeunes filles et entendit une voix lui disant « Je te les confie. » Tu les confies à moi? Maïn, j'ai besoin de te parler. Mais tout de suite, pas ici. Viens. Je crois vraiment comprendre que le Seigneur veut que nous deux nous nous occupions des filles de Mornaise. C'est même Marie qui le veut. J'en suis sûre. Marie, nous deux, c'est elle qui te l'a dit? Oui. Écoute-moi bien. Nous apprenons à coudre pour éloigner les filles des dangers, les rendre meilleures, pour les rapprocher de Jésus et le faire aimer. Les deux pièces sont à vous. J'en suis heureux. Merci, maître Baudrato. Au revoir, petite chanceuse. Au revoir, maître Baudrato. Les filles, rappelez-vous, chaque point d'aiguille est un acte d'amour de Dieu. Pendant que nous travaillons, aimons-le. Parlez peu et réfléchissez beaucoup. Et maintenant, remettons-nous vite au travail. Regarde-les. J'aime ce qu'elles aiment. Comme elles sont belles. Elles scintillent de joie. Elles deviendront encore plus lumineuses près de toi, Marie. Je voulais vous parler. Il est normal que vous soyez informés. Hier, je suis rentré de Turin. J'ai rencontré Don Bosco. Vous le connaissez. Et je vous dis avec joie que moi aussi, je suis salésien. Vous n'allez pas partir? Et Mornaise? Et nous? Je serais parti bien volontiers à Turin. Je voulais rester avec lui. Mais Don Bosco a dit qu'il avait de grands rêves, de grands rêves. Et pour le reste, il ne dit rien. De grands rêves? Il a seulement dit ceci. Mais il m'a donné pour vous la médaille de Marie Auxiliatrice. Une pour toi, Petronille. Et une pour toi, Maïn. Il les a bénis lui-même. Il m'envoie vous dire aussi de prier, mais surtout de continuer à faire du bien aux filles, le plus que vous pouvez. Je veux l'inviter à Mornaise. Je vous promets qu'il viendra.
Entrez. Vous m'avez fait appeler? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Assieds-toi, Maïn. Je ne sais pas comment te le dire. On ne peut pas continuer ainsi. Les gens parlent. Et ce qu'ils disent n'est pas beau. Des filles de l'Immaculée, tu le savais déjà, mais... maintenant, ce n'est pas seulement elles qui parlent mal de toi. Dans le village... on dit que tu veux commander tout. Commander? Moi? Moi, je veux seulement que les filles apprennent un métier pour qu'elles ne se perdent pas. Don Pestarino, vous savez combien cela me tient à cœur. Je le sais. Je le sais. Bien sûr que je le sais. Mais tu devrais t'éloigner pendant un certain temps. Au moins en attendant que l'orage se calme. M'éloigner un certain temps? Tu iras à la Valponasca. Quelqu'un aidera Petronil avec les filles, je te le promets. C'est une grande épreuve pour toi. Fais comme si c'était Jésus qui te le demandait. Les filles me manquent. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Jésus, cœur de mon cœur, donne-moi la force. Moi, je te choisis parce que toi, tu m'as choisi. Par-dessus, en dessous, tu passes en dessous et par-dessus. Je vous ai ramené, Maïn. Et à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je dormirai avec vous. Et je vous porte aussi une grande nouvelle. C'est une nouvelle pour tout le village. Dans moins d'un mois, Don Bosco viendra à Mornaise avec ses garçons. Regarde-le, c'est un saint. Bienvenue. Merci à tout Mornaise. Merci. Merci. Merci d'être venu. Je vous bénis, vous, vos terres et vos familles. Que Dieu vous protège et vous rende heureux. Moi, je prie pour vous, mais vous aussi, priez pour moi et pour les garçons qui habitent les maisons salésiennes. Priez pour Don Pestarino, qui a fait tant de bien pour Mornaise. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne nuit. Un collège ici à Mornaise, c'est une bonne idée. Mettez-vous vite au travail, et quand il sera prêt, je viendrai l'inaugurer. Tandis que moi, je pense à la basilique pour notre mère, l'auxiliatrice à Turin. Vous, bâtissez un collège pour ses fils. Quelque chose ne va pas? J'ai reçu cette lettre de Don Bosco. Et il est bon que je la lise avec vous. Venez, asseyons-nous. Don Pestarino, je pense destiner le collège que vous construisez à Mornaise, non plus aux garçons, mais aux filles. Les nouvelles sœurs s'appelleront filles de Marie Auxiliatrice, comme la Madone de la Basilique que nous sommes en train d'ériger ici à Turin.
La basilique est un monument de pierre. Elles seront le monument vivant à l'auxiliatrice. Suivez celles qui obéissent aux plus petites choses, qui ne s'offusquent point des corrections reçues, et se mortifient avec joie. Ce sont les sœurs que l'auxiliatrice veut. Vous imaginez quand le village l'apprendra? Tous attendent un collège pour garçons. Ils se sentiront trahis. Peut-être s'en prendront-ils à vous. J'aurai à convaincre, mais... vous, il faudra rester forte. Je suis contente que tu sois là, toi aussi. Je vous ai toutes réunies pour que maintenant, vous décidiez si oui ou non vous voulez être religieuse. Don Bosco veut fonder un institut. Vous savez ce que cela signifie. C'est une décision importante. Une décision pour la vie. Pensez-y bien. Celle qui renoncera restera dans sa famille et continuera à faire du bien dans le village. Par contre, celle qui lèvera la main choisira ce chemin et fera partie du nouvel institut. Bien. Pour celles qui ont choisi de vivre avec leur famille, votre supérieur est Angela Maccagno. Vous vous appellerez Nouvelle Ursuline. Maintenant, votez en pleine liberté pour élire la supérieure du nouvel institut. Écrivez votre choix sur ces feuilles. Est élue supérieure, Maria Domenica Mazzarello. Je ne peux pas accepter. Je vous remercie. Mais je n'en suis pas capable. Croyez-moi, je ne suis pas capable d'être la supérieure. Alors, pour le moment, tu t'appelleras vicaire. Vous irez au collège de Borgo Alto. Déménagez de nuit, je vous en prie. Le village est encore agité à cause du collège. Reste près de moi. Guide-moi. Je te suis. Avec toi, je n'ai pas peur. Nous sommes dans cette nouvelle maison si grande pour nous. Regardez comme c'est beau. Justement, aujourd'hui, trois jeunes filles ont choisi Jésus. Et... elles m'ont demandé de faire partie de notre famille. Voici les bigotes. Hé, hey, vous vous fatiguerez vite. Vous ne tiendrez pas, je vous le dis. Personne ne vous enverra plus les filles à l'ouvroir. Vous mourrez de faim. Le collège était pour les garçons. Quelle honte! Entrons, les filles. Tout le village est contre nous. C'est une grande épreuve à offrir à Jésus. Maïn, et si les familles décident de ne plus envoyer leurs filles à l'atelier? Comment ferons-nous pour nourrir les petites sans travail? Ne nous laissons pas atteindre par les critiques. Si nous n'avons plus de nourriture, alors nous irons en demander un peu à mes parents. Entrons. Nous sommes ici parce que Don Bosco nous l'a demandé. Tu as entendu que Don Bosco est déjà parmi nous? Personne ne l'attendait. Il s'arrêtera juste un jour. La profession est donc pour demain. Parmi les petites plantes, une est très parfumée, le nard. Mais pour que le nard puisse exhaler son doux parfum, il doit nécessairement être bien écrasé. Souffrez avec Jésus, et pour Jésus. Vous appartenez maintenant à une famille religieuse qui est toute à la Madone. L'Institut est promis un grand avenir. Si vous savez demeurer pauvre, simple, dans l'humilité, vous êtes le monument vivant qui dit merci à notre mère.
Le monument vivant, ce sont les filles de Marie Auxiliatrice. Sœur Maria Domenica Mazzarello, à partir de maintenant, appelez-la mère parce qu'elle a été la première parmi vous à devoir affronter des difficultés. Écoutez-la et obéissez-lui. Pour le moment, elle sera vicaire parce que la vraie supérieure de la maison, c'est la Madone. C'est votre vie qui continue, maintenant comme avant. Mais désormais, vous êtes épouse du Christ. Je vous en prie, soyez joyeuse. Saluez votre enseignante de français, mademoiselle Emilia Mosca. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Grande est la pauvreté de la maison, mais encore plus grande est la joie qui l'accompagne. Ici, tout se fait par amour. Vous l'apprendrez. De la plus petite chose à la plus grande. Allez, bonjour. Allez, là-bas. Allez, passez-vous là-bas. Allez, quelle heure il est? Ma mère, mais moi je n'ai pas de montre. Réponds-moi que c'est l'heure d'aimer le Seigneur. C'est l'heure d'aimer le Seigneur. Prends soin des filles avec infinie douceur et patience. Enriqueta, nous vous attendions. Merci, ma mère. Je vous présente mes sœurs. Bienvenue. Je voulais de tout mon cœur être religieuse, mais je ne pouvais pas laisser mes sœurs à la maison des orphelines de mère. Comme je l'ai déjà dit à Don Bosco, c'est une joie de vous avoir toutes ici. Allez. Bonjour. Bonjour, ma mère. Bonjour, Emilia. Je voulais vous parler. Je t'écoute. Je suis ici depuis peu et j'ai beaucoup regardé. J'observais avec attention. Et dis-moi, qu'as-tu vu? J'ai vu qu'à votre contact, les enfants changent. Emma, par exemple, elle était très ambitieuse et ne faisait qu'ouvrir et fermer sa malle pleine de frivolité. Et elle ne voulait pas entendre parler de prière. Maintenant, c'est une autre personne. Et de même pour Maria Belletti. Elle était un peu méprisante au début. Maintenant, elle ne l'est plus. Et qu'as-tu vu d'autre? Les sœurs Sorbonne, toutes les cinq. Vous les avez accueillies avec un grand cœur. Et j'ai vu l'union et l'harmonie qui règnent dans cette maison. Comme vous êtes exigeante envers vous-même, et au contraire attentionnée et maternelle avec nous. C'est cela que tu voulais me dire? Voilà, oui. Je voulais vous dire que je veux rester ici pour toujours. M'acceptez-vous parmi les novices? Et moi, je te confie la direction de l'école et de l'internat. À moi? Oui. Maintenant, tu peux y aller. Emilia, je voudrais apprendre à écrire. Je ne sais pas encore écrire.
de Mornese. Main lente et indocile. L'humilité fait du bien à tous, même à moi. Mon écriture, c'est vraiment du gribouillage. Mais je veux apprendre à écrire. Pourquoi? Parce que... une lourde tâche m'attend. Et je ne peux pas la remplir si je ne sais pas écrire. Mais vous vivez ainsi? Moi, je cherchais un couvent. Ne le touchez pas. Et ma malle non plus, parce que je vais m'en aller. Caterina, tu verras comme nous vivons. Reste au moins un mois pour essayer. Même pas un jour. N'es-tu pas venue pour devenir religieuse? Oui, mais je n'imaginais pas ça. Moi, je voulais un couvent. Et ici, que vois-tu? Je vois tant de confusion. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaites. C'est pourquoi nous sommes humbles, confiantes, joyeuses. Veux-tu que je te dise quelque chose? C'est vraiment ici que le Seigneur te veut. Si tu t'en vas, que diras-tu à Dieu? C'est froid, c'est froid! Cache-nous, cache-nous! Allez vite! Tu avais 10 ans à peine, et j'avais déjà compris de quelle étoffe tu étais faite. Le secret de ton travail, de ta joie, c'est uniquement l'amour de Dieu, sans mesure. Le temps passe. Mes années ont été marquées par ton histoire, Maïne, et par l'histoire de l'Institut, qui grandira. Il grandit déjà. Entrez. Je vous dérange, ma mère? Je sais que c'est un moment douloureux. Je t'en prie. Et la malle? Elle est au dortoir. Es-tu contente maintenant d'avoir dit oui à Dieu? Je suis venue vous dire que je suis heureuse. Parce qu'ici, c'est un couvent. Mais c'est surtout une maison. C'est une famille. Bientôt, il y aura d'autres maisons comme celle-ci. Je vous remercie encore. Je retourne dans la cour. Je vais rejoindre les filles. Je voulais vous informer qu'il y a quelques jours, en date du 8 octobre, les premières sœurs ont quitté Mornese pour se rendre à Borgo San Martino avec la mission d'ouvrir la seconde maison de l'Institut. Elles emportent l'esprit de Mornese, l'esprit de pauvreté, d'amour, de sacrifice, la fidélité à la règle et la prière du cœur toujours suivie de gestes de bonté. Nous avons déjà ouvert 8 maisons et vous êtes les premières missionnaires. Dans quelques jours, vous irez à Gênes et de là, vous vous embarquerez pour l'Uruguay. Tous les clochers que vous rencontrerez d'ici à Gênes vous indiqueront la route. Soyez joyeuses. Et ce, quoi que vous fassiez. Je vous recommande de vous aimer, de pardonner vos défauts toujours avec charité et douceur. Don Bosco nous appelle à travailler parmi les filles du peuple, les plus défavorisées. Je quitte Mornese pour aller à Nizza Monferrato. La souffrance m'a frappée plusieurs fois. La mort de mes sœurs les plus jeunes me rappelle que notre vraie maison est au paradis.
Je pense tellement à elle. Toi, ici. Et moi, là. Maman, je te laisse, toi et mes frères, le cœur serré. Papa n'est plus. Il me manque beaucoup. Mais à présent, il est encore plus proche de nous tous. Entrez. Nous avons terminé le tapis que vous aviez commencé. Vous plaît-il, ma mère ? Il est très beau. Vous avez été gentille de le terminer aussi vite. Les maçons ont terminé les travaux dans les nouvelles salles de dessin et de musique. Et aujourd'hui, nous avons accueilli 15 nouvelles filles. Je les ai installées dans le dortoir au premier étage. Tu as bien fait. Je vous vois fatiguée, mère. Vous devriez vous reposer. Je désire accompagner les missionnaires de la troisième expédition, d'abord au Porte-Chêne. Et puis... peut-être à Marseille. Pour attendre avec elle le départ du bateau. Maïn, l'expédition part le 3 février. Si tu pars, tu prendras froid. Avec cette eau en plus. Pense à toutes les filles que tu as. Petronilla, je n'ai pas de filles. Mais j'ai beaucoup de sœurs. Je les aime tout autant les unes que les autres. Mais les missionnaires ont besoin que je les accompagne. Une lettre est arrivée de la maison de Saint-Cyr. Une lettre est arrivée de la maison de Saint-Cyr. La mère a accompagné les missionnaires jusqu'à Marseille, où elles se sont embarquées. Et maintenant, elle se trouve à Saint-Cyr. Elle a encore une très forte fièvre et ne peut voyager. Chère sœur, mes missionnaires, la distance qui nous sépare est maintenant très grande. J'espérais venir vous rendre visite. Mais une mer immense nous sépare. Il ne faut ni trop se réjouir, ni trop s'attrister pour quoi que ce soit dans ce monde. La vie est si courte. Le jour viendra où nous nous reverrons au ciel. Aimez-vous et émerveillez-vous, toujours. Ce que l'on enseigne par l'exemple demeure.
Je meurs épouse de Jésus, fille de Marie Auxiliatrice et de Don Bosco. Je désire cette grâce pour vous toutes que j'ai tant aimée et que maintenant j'aimerais encore davantage. Jésus, tu es toute ma force. Si seulement elle te connaissait comme je te connais maintenant. Thank you.